Pour terminer, alors voilà. Donc ici, voilà, je posais un truc, peut-être un autre morceau qui est aussi sur le thème japonais. Alors je l'ai surnommé les japonais en croisière. Donc voilà, au niveau de tonalité, ici nous sommes en do majeur. Et au niveau de clef, on débute des portées non clavillement ni aucun dièse. Donc voilà, et au niveau du tempo, je l'ai appliqué adagio, qui veut dire tempo lent en fait. Voilà, pourquoi j'ai choisi ce titre, les japonais en croisière? Car voilà, travers ce morceau, voilà, je ressens ce côté japonais. Voilà, je ressens voilà, de la beauté, je ressens quelque chose, un mouvement lent, justement, un peu comme un bateau, par exemple, voilà, qui navigue sur les vagues de la mer. Donc, je vois à peu près cette image-là, en fait, à travers ce côté japonais, en fait, voilà. Un peu comme on montre aussi dans les anciennes images des temples japonaises, que j'ai ici d'ailleurs une photo de rangée simple que je vais vous montrer à quoi ça ressemble et qu'est-ce que je vois exactement. Voilà. Attendez. Voilà. Je vois par exemple cette image ici. Voilà. Dans les estampes japonaises. Voilà. 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 Je vais vous interpréter ici. Jusqu'au bout, quoi. Et ça a été un très grand plaisir pour moi. Voilà.